Jodi an sa interpele e konsey lan otorite yo pou ke nou adrese nou avèk machan yo an tou premier chef pou nou di yo ke desisyon 3 jou yo an fonksyon de ujans e sa kap devlopi la, desisyon 3 jou yo yo mètnu. Pa gen dout sou yo, gen 3 jou de machè Pétionville ki se mardi, jeudi, samedi et le a c'est 6h du matin pour 2h dans l'après-midi. Et barrage écrasé. Et nous prenons engagement nous-mêmes mairiens à partir de jeudi, nous allons faire un barrage qui est plus solide pour que nous soyons capables de résoudre le problème qui était gagné. Nous avons annoncé qu'il y a 22 jours de ça et qu'il y a moins de cas qui était une nécessité pour que le pouvoir central aide nous dans la question pour nous joindre à l'hôpital pour que nous puissions gagner ou bien que nous gagner pour que nous soyons capables de faire un traitement là-dedans. Donc, nous avons avancé avec des marches sous question l'hôpital communauté haïtienne. Donc, nous consultons tout le monde dans haut niveau. Nous avons rencontré avec PDG qui est responsable de l'espace là. Donc, il te dit nous que normalement, il n'y a pas de problème que l'État capable, dans le moment d'urgence, confisquer bien pour que nous soyons capables de permettre que la communauté bénéficie de lui. Mais cependant, il y a besoin de compte qui suivi qu'a fait. Et là, nous entrons en contact avec deux mondes dans le pouvoir central là, dans quatre questions et urgences pour regarder si l'hôpital ça nous capable de bénéficier de lui correctement. Dans la période d'urgence, puisque nous rendons compte que le COVID-19 lancé chaque jour, la paye un peu plus. Donc, ça a apporté que nous-mêmes, nous avons gardé tout ça capable de faire pour que nous sensibilisions les gens qui ont un tempérament de Saint Thomas pour que vous compreniez la nécessité pour que ça, l'État m'a demandé pour faire, vous respectez. Question de formation, question lavage des mains, question distance sociale, là, pour que tout ça, vous soyez capable de respecter. Mais dans le souci, pour que nous-mêmes, nous aider, donc Mérian a annoncé nous que nous avons un numéro 3 chiffres, qui c'est 157, et nous avons 5 lignes pour lui. Donc, n'importe qui est capable de faire 155 là, 157 là, on va prendre compte que le marché. Donc, nous avons un numéro d'urgence, qui c'est 157, et nous avons 5 lignes pour lui, et nous avons pour parler. C'est un numéro que nous prenons pour que nous soyons capables de faire centre d'urgence, nous en marché, pompiers et ambulances. Donc, nous parlons avec dirigeants MSPPO, nous disons tout, il y a tout utilisé à l'échelle départementale. Donc, nous n'avons pas aucun problème du tout, nous avons augmenté les lignes pour que nous soyons capables de faire plus de services à nous. Donc, ça, c'est pour ligne d'urgence, numéro 1, c'est 157. Et nous avons arrêté communal. Que nous avons voyé pour bail ministre de tutelle nous pour non-objection. Nous avons voyé l'aller et le ministre là bah nous non-objection. Dans ce moment-là, il pour aller dans le moniteur là pour que les capables aient une force de loi pour publication. Donc, nous pas voulu aller dans confrontation avec machin, nous n'avons pas adressé avec eux. Pour expliquer que mesure que nous prenons, ce n'est pas une mesure pour chercher compte, ni pour ennuyer, ni pour emmerder, mais c'est une mesure pour que nous protégions en tout premier chef et pour nous protéger le reste de la population par rapport avec risque de propagation qui gagne dans le cas de maladie. Donc, c'est ça qui fait. Et pour nous, décision nous, pour que nous bâillons force, nous rentrons dans le cadre côté que nous obligés à publier ou arrêter. Donc, pour nous, qui gagne la donne des décisions que nous pouvons gagner rapidement pour que nous parlions de la décision qui est plus importante pour nous-mêmes, nous pouvons dire nous là. Étant donné que, en tant que l'État, nous ne sommes pas capables de sanctionner les gens sans que nous-mêmes nous pas fait premier pas. Donc, au niveau conseil, là, nous nous rendons compte que nous avons nécessité pour que rapidement nous regardions que les gens sont capables de faire des masques. Étant donné que nous gagnons 200 professionnels. Nous avons dans Saint-Surien, nous avons l'autre dans 32 ans. Et professeurs, plus étudiants, ils ont mis à l'œuvre. Et depuis semaine, depuis 8 à 10 jours, ils travaillent. Et nous portons là des échantillons de masques que nous produisons.
Ça, c'est le centre professionnel noir qui monte deux ateliers et c'est à partir d'ateliers ça y est que nous produisons masse ça y est que nous sommes capables là. Donc nous-mêmes, à partir de demain, si Dieu veut, nous allons faire des distributions de masse dans marché, dans différents marchés. Pour maintenant, lit selon arrêté obligatoire. Obligatoire, donc tout le monde qui a fonctionné en dans ville, il faut que vous masse. Qui et nous allons dire pour mon masque pour tout toucher net et boucher mais faut qu'on a gagné un masque ou bien un mouchoir qui après qu'est-ce que le fait il voit que effectivement qu'à protéger qui boucher orifice li né avec bouche donc échantillon de masse ça c'est une côté là nous avons quantité et gouvernement se promet nous que la voyer ba nous là 10,000 masques qui dans route à venir joindre nous donc à partir de demain matin masse là li poil un ticket d'entrée dans marché pour rendre compte que et on va entrer dans mairie un yo met ton poste de lavage des mains deux yo exige au fort un masque là pour entrer dans mairie donc n'a profiter de parler nous là pour annoncer toute institution publique ou privée faut que moun k'a fréquenter yo a yo gen masque dans figure donc et arrêté dans article 13 li les clairement défini forme de sanction gain pas seulement pour port masque obligatoire 3 jours de marché il doit respecter donc tout ça qui doit respecter et que arrêté en prévoit que on monde ta refusé respecter lui un ou bon amende cap sorti de 10,000 à 25,000 gourdes deux ou bon emprisonnement qui varie entre 5 jours et 15 jours. Donc ça yo pour la compétence juge là les arrêts au tribunal, c'est lui même qui a décidé soit payer 10,000 là soit payer 25,000 là, c'est lui même tout qui a décidé est-ce qu'on prend 5 jours ou bien est-ce qu'on prend 15 jours de prison.